Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour découvrir avec vous aujourd'hui la Parashat Bechukotai. Dans cette paracha, il s'agit de promesses. De promesses et de mise en garde que la Torah nous donne. On nous demande de respecter la Torah et les mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous promet dans ces cas-là que si nous accomplissons bien la Torah et nous respectons bien les préceptes de cette Torah et nous accomplissons toutes les mitzvot qu'elle nous ordonne d'accomplir, eh bien nous serons comblés de bien et de bonheur dans notre vie. Nous mériterons une vie pleine de bénédictions, de brachot. La pluie, elle, tombera au bon moment. Et puis nos récoltes seront abondantes, fructueuses. Le shalom, la paix régnera sur tout le pays d'Israël et sur tout le Ham Israël où qu'il se trouve. Le Ham Israël sera toujours victorieux de chaque guerre contre les pays ennemis. On nous donne des détails, écoutez bien cela. 50 soldats juifs vaincront 100 soldats ennemis. Et puis 100 soldats de notre peuple vaincront 10 000 soldats ennemis. C'est écrit dans le texte. Et puis la plus grande promesse de toutes les promesses. Que la Shrina, l'évidence et la présence divine, règnera et sera présente, fixe, au sein du Beth Amikdash. Comme il est écrit, Veshachanti Betocham. D'un autre côté, la Torah nous dit, attention, attention, il faut quand même être vigilant. Elle nous met en garde de toutes ces malédictions qui pourraient nous arriver. Si nous nous écartons du chemin de la Torah, eh bien sûr, l'exil, la galoute, la destruction du temple, la sécheresse, la famine. Ainsi, durant toutes les générations, lorsque les bénis Israël respectaient la Torah et les mitzvot, eh bien ils étaient heureux et bénis. Ils cultivaient paisiblement leur terre en Eretz Israël. Ils pouvaient profiter de ces récoltes-là, des récoltes abondantes qui se présentaient à eux et pour eux. La véritable bénédiction, la bracha la plus totale. Et puis, les ennemis d'Israël redoutaient de leur faire la guerre. C'est surtout la paix qui régnait sur le Ham Israël et sur la terre d'Israël. Il y avait une paix, une sérénité, c'était une protection divine qui était présente. Mais lorsque le Ham Israël défie la volonté d'Hakadosh Baruch Hu, et lorsque le peuple juif n'a pas fait tout ce qu'il fallait, qu'il ne marchait pas selon les propres voies d'Hakadosh Baruch Hu, alors Hachem leur laissait malgré tout beaucoup de temps pour faire teshuva. Mais finalement, le Ham Israël a dû subir. Eh bien, vous savez, le premier Beth Amikdash, il a été détruit. Et les Béné Israël, eux, ont été exilés à Babel. Au bout de 70 ans, le premier exil, lui, a pris fin. Et là, le Ham Israël a pu revenir sur la terre d'Israël et puis reconstruire encore une fois le Beth Amikdash. Mais voilà que, au fil des ans, encore une fois, ils se sont éloignés du Beth Amikdash. Ils se sont éloignés de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot comme il fallait. Alors, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a laissé le Ham Israël un petit peu tout seul. Et là, le cruel Titus a détruit le deuxième Beth Amikdash. Et les bénis Israël, encore une fois, ont été chassés de la terre d'Israël. Bien entendu, nous ne devons pas pratiquer les mitzvot pour recevoir une récompense, mais bel et bien pour accomplir le ratson d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu. Mais Hachem, de son côté, lui, il nous promet un immense salaire, une récompense phénoménale, extraordinaire, pour l'accomplissement des mitzvot. Cette récompense nous est déjà promise dans ce monde-là, ici-bas, afin d'empêcher le Yetzer Hara de nous inciter à commettre des averot. Et, bien sûr, de nous éloigner des mitzvot à cause de ce Yetzer Hara. Il y a un autre sujet dans la paracha de Bechukotai, c'est la mitzvah du maaser des animaux. Elle nous parle de cette mitzvah-là parce que, vous savez, le maaser, c'est que quand on possède quelque chose, on doit toujours prélever une partie de ce que l'on possède et la donner. L'offrir à un pauvre, par exemple, ou au Beth Amikdash, par exemple. À l'époque, lorsqu'on avait des animaux, eh bien, il fallait aussi prélever la dîme, même sur nos animaux.
Et de quelle façon on devait procéder? Vous imaginez, vous avez un troupeau de bêtes. Comment est-ce qu'on fait pour faire le maaser? Alors, une fois par an, il fallait rassembler tous les animaux qui étaient nés lors de l'année qui venait de passer. On les isolait dans des enclos. Chaque espèce était isolée séparément, les agneaux ensemble, les veaux ensemble. Chaque animal, chaque espèce dans son enclos. À l'extérieur de l'enclos, les propriétaires du bétail plaçaient les mères des animaux enfermées afin que ces derniers désirent sortir de l'enclos en les voyant. Et là, le propriétaire ouvrait alors un petit peu le portail de l'enclos pour que les animaux sortent un par un et se dirigent vers leur mère. Et là, le propriétaire les comptait un après l'autre. Et il disait comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et lorsqu'il arrivait à la dixième bête, il mettait sur le dos de chaque dixième bête un signe à l'aide d'un pinceau trempé dans la couleur rouge et il proclamait haut et fort « Voici le maaser ». Et c'est donc cette bête-là qui était choisie pour être offerte au Beth Amikdash. Une fois que le propriétaire du bétail avait terminé de marquer au rouge chaque dixième bête, il les emmenait à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Là, les Kohanim faisaient la shrita et les offraient en korban en sacrifice. Les parties internes de ces animaux, bien sûr. Ensuite, les propriétaires du bétail pouvaient, eux, consommer le reste de la bête. Mais là, dans une condition très particulière, il fallait qu'il soit pur, qu'il soit dans la kdoucha, dans la sainteté, et que ce soit à Yerushalayim. Alors pourquoi est-ce que cette mitzvah-là nous a été imposée? Pourquoi est-ce que les Bnei Israël devaient aussi faire le maaser sur les bêtes? Car il faut savoir une chose. Les propriétaires de tous ces bétails-là se trouvaient dans tout le pays d'Israël. Et souvent, ils étaient éloignés des lieux de Torah. Ils étaient surtout concentrés sur leur travail, dans le champ, ou bien avec les bétails. Et donc, ils étaient éloignés des lieux de Torah, ou bien des Talmidei Chachamim. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il a imposé donc cette mitzvah, afin qu'ils n'oublient pas la Torah et les mitzvot. Et grâce à cette mitzvah, si vous voulez, ils étaient obligés de monter au moins une fois par an à Yerushalayim. Et de cette façon-là, en fait, à Yerushalayim, le but, ça n'était pas juste de vivre dans la sanctification pour uniquement les personnes qui sont dans la sanctification et dans la sainteté tout au long de leur vie, mais également pour toutes ces personnes qui vivent dans le monde matériel, toutes ces personnes qui vont travailler et qui sont au contact de la vie matérielle en dehors de l'étude de la Torah ou de la Tefila. La Torah nous dit, ça n'est pas deux mondes séparés. Même dans le monde matériel, on doit amener la sainteté. Aujourd'hui, nous n'avons pas les korbanot. Nous n'avons pas cette mitzvah-là du maaser. Mais vous savez ce que l'on a? On a la possibilité, quand on fait la tefila ou une mitzvah, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comme le korban qui veut dire se rapprocher de Dieu. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on dit une parole de Torah ou de tefila, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on utilise tout ce que l'on a dans notre monde à nous, quand on mange, quand on boit, quand on va travailler, quand on prend cet argent-là pour pouvoir faire des mitzvot avec, se nourrir et élever la nourriture ou ce que l'on boit, ce que l'on mange et tout ce que nous faisons dans notre vie, en le sanctifiant, en l'élevant pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, alors là on élève tout le monde qui nous entoure et la sainteté va partout dans le monde. Voilà les enfants, ce qu'on pouvait apprendre de cette parasha de Berukotai. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach et que l'on puisse accomplir cette mitzvah-là au sein du Beth Amikdash, avec tous nos proches, avec la venue du Mashiach. À très bientôt.